Horoscope Cancer. Octobre 2018. Amour. Première quinzaine. Sous l'influence de Mars, la planète du désir, votre conjoint se montrera très entreprenant. Pour quelques-uns, cependant, les choses pourront prendre une tournure un peu inquiétante. Ni vous ni votre conjoint n'aurez en effet envie de faire des concessions, et vous pourrez vous retrouver en plein conflit avant d'avoir vraiment compris ce qui se passait. Célibataire, vos rêves d'amour les plus fous auront enfin des chances de se réaliser. Le coup de foudre pourrait s'abattre sur vous. Votre vie sentimentale sera chamboulée, mais vous en serez le premier ravi. Deuxième quinzaine. Sous l'égide de Vénus, vous passerez des journées de grande intensité amoureuse avec votre conjoint ou partenaire. Ambiance passionnée, projet d'avenir avec l'élu, vie conjugale heureuse et rassurante. Tout cela est prévu au programme du moment. Profitez bien de votre bonheur. Célibataire, Vénus en cet aspect favorisera les rencontres amoureuses. Sortez et faites la connaissance du plus grand nombre de gens possible, celui que vous attendez sera parmi ces personnes, et ce n'est pas en restant tout seul chez vous que vous le rencontrerez. Argent. Première quinzaine. Appuyez-vous sur une bonne administration de vos biens et une saine gestion de votre budget pour améliorer vos revenus. L'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais, dans nos sociétés actuelles de consommation, il ne peut y avoir de bonheur sans argent. Deuxième quinzaine. Si vous envisagez d'effectuer une transaction financière ou immobilière, vous serez aidé par un intermédiaire très efficace. Vous pourrez lui faire confiance. Mais évitez d'écouter les conseils de vos proches en la matière, car ils seront mal inspirés cette fois-ci. Travail. Première quinzaine. Dans votre travail, vous risquez de récolter bien des contrariétés qui ne seront pas catastrophiques mais qui pourraient tout de même briser votre élan. Des projets seront retardés. Vous aurez des difficultés à obtenir des appuis financiers, car certaines relations qui vous avaient promis mont et merveille se retireront. Pourtant, ne baissez pas les bras, car rien n'est encore perdu. Deuxième quinzaine. Période éprouvante sur le plan professionnel. Vous souhaiterez brûler les étapes et réaliser en un temps record vos ambitions. Mais les circonstances en décideront autrement. Changez de tactique, contournez les obstacles au lieu de chercher à les démolir. Ou mieux, changez de stratégie, faites du temps votre meilleur allié et laissez-le travailler pour vous. Conseil. Vous faites souvent de louables efforts pour rendre ce monde meilleur. Mais votre excès de zèle risque de vous attirer des complications dont il vous sera assez difficile de sortir. Vous auriez pu éviter de tels ennuis si vous aviez su faire preuve d'un peu plus de réalisme et modérer votre ardeur. Vous vous poserez beaucoup de questions. Souvent le doute s'insinuera en vous. Vos élans, vos enthousiasmes ne se manifesteront plus avec leur vigueur et leur spontanéité habituelles. Ayant l'impression d'être un géant au pied d'argile, vous aurez alors besoin du soutien moral de vos proches pour progresser. D'autre part, vous devrez savoir faire des concessions et apprendre à composer avec la vie et avec autrui. Votre réussite et peut-être même votre survie seront à ce prix. Il serait dangereux de refuser systématiquement tout compromis. Souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux ployer que rompre.